plus étonnante et détonnante. Est-il raisonnable de donner la liberté? Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté. La situation mérite attention. Witch TV. Depuis les années 1970, la sorcière représente la puissance des femmes. Elle est aussi un manifeste artistique de la convergence entre les luttes féministes et écologistes. Les sorcières sont revenues dans l'art des années 2010 comme une force de résistance pour les minorités de genre à l'heure de la catastrophe environnementale. Penser aux sorcières, c'est aussi inscrire les luttes actuelles dans la longue durée. Quels sont les usages de l'histoire chez les artistes engagés dans le féminisme et l'écologie? Est-ce que la chasse aux sorcières a réprimé le pouvoir des femmes au Moyen-Âge? Est-ce que les références au monde pré-moderne sont une forme de résistance au capitalisme patriarcal? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons invité des théoriciennes et des artistes à nous parler de sorcellerie, du monde médiéval, de l'art des années 70 et des pratiques actuelles. Fabienne Dumont, vous êtes historienne de l'art, spécialiste de l'art féministe. Vous avez publié « Des sorcières comme les autres, artistes et féministes dans la France des années 1970 ». Récemment, vous avez travaillé sur l'œuvre de Nili Alter en publiant à la fois une monographie et des entretiens. Lors de vos recherches, vous avez pu rencontrer un certain nombre des protagonistes de la revue Sorcière. Pouvez-vous nous expliquer comment ce terme « sorcière » est devenu un terme fédérateur pour le mouvement féministe ? Mon ouvrage, effectivement, « Des sorcières comme les autres », retrace l'histoire des collectifs de plasticiennes des années 70 en France et aussi les parcours d'une centaine d'artistes. Et ce titre fait référence à deux éléments importants pour saisir la réappropriation de cette figure de la sorcière par les féministes à cette époque-là des années 70. La première référence, c'est une chanson d'Anne Sylvestre, en 1975, « Une sorcière comme les autres ». Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Qui raconte les rôles attribués aux femmes, et puis leurs désirs, leurs luttes, tout ça avec un ton assez acerbe, drôle, aussi très tendre. Et elle relate donc ses bonheurs, ses difficultés communes aux femmes. Et pour ça, elle s'est émancipée du milieu musical en produisant ses propres chansons. C'est tout à fait novateur, en les écrivant, en les chantant et en se donnant un maximum de liberté. C'est donc pour elle, ces sorcières, un équivalent de cette reprise en main par les femmes de leur vie, de leur capacité à se valoriser, à s'exprimer par elles-mêmes et aussi à sortir des rôles imposés. Donc ça, c'est le premier écho, en fait. Le second, c'est ce titre de sorcière évoque une revue qui portait le titre Sorcière, qui est une des rares revues féministes culturelles des années 70 en France. Elle est parue entre 76 et 81. Il y a 24 numéros qui explorent à chaque fois des thématiques qui circulent dans le mouvement des femmes. Et le manifeste écrit par Xavier Gauthier dans le premier numéro fait écho à cette redécouverte de la sorcière comme une référence de femmes libres possédant des pouvoirs que les institutions détenues par les hommes ont voulu anéantir en les pourchassant. Notamment, leurs savoirs médicaux de sages-femmes. Et quand on entend sages-femmes, c'est aussi des personnes qui opèrent des avortements, résonnent avec les revendications d'une sexualité complètement libérée des contraintes de la maternité dans les années 70. Par le biais de la littérature et puis des arts plastiques, la revue, en fait, cherchait à faire connaître les artistes femmes qui existaient et à faire surgir aussi toute une culture produite par les femmes qui ne trouvait aucun écho, qui n'était pas montrée ni partagée. Et on a le pendant aux États-Unis de cette revue sorcière dans une revue comparable
qui est la revue Heresies, qui est éditée entre 77 et 93. Et elle va consacrer, en 1978, un numéro spécial qui s'appelle la Great, enfin, c'est consacré à la Great Goddess, donc à la déesse mère, qui est entendue comme une sorte de déesse universelle, de mère universelle sacrée, qui est aussi une forme précurseuse de pensée écoféministe. On ne met pas le nom, ce nom-là dessus, mais c'est déjà là. Et cette revue incite les femmes à se penser comme des déesses pour guider leur communauté. Également, ce sont des figures de femmes puissantes qui s'imposent et qui s'opposent au rôle imposé par les hommes dans la société, dans leur environnement. Et cette déesse, elle est liée évidemment à une réflexion sur la spiritualité, mais aussi elle est associée à la sorcellerie. Donc ce sont en fait ces figures des guérisseuses qui possèdent des pouvoirs et qui donnent de la force aux femmes pour s'opposer à l'ordre existant et développer leur propre capacité créatrice. Fabienne Dumont, pouvez-vous nous expliquer comment certaines artistes ont travaillé dans les années 1970 et 1980 à partir de cette réappropriation de la figure de la sorcière ? Alors effectivement, je peux donner par exemple deux exemples de créatrices qui permettront de saisir cette réappropriation des sorcières. La première, en 1977, Mary Beth Edelson proposa une installation participative qui s'appelle « Proposition pour des mémoriaux aux 9 millions de femmes brûlées comme sorcières pendant l'ère chrétienne ». Elle a lieu dans une galerie tenue par des femmes, la Air Gallery, où le public était invité à lire toute une série de documents disposés sur une table circulaire, à participer à un rituel et à inscrire sur des fiches ses propres croyances, ses expériences surnaturelles et à exprimer ses réactions à ce qui était proposé. Et l'idée, c'était de redonner du pouvoir aux femmes et de valoriser leur corps en revenant en fait à des célébrations de déesses oubliées pour défaire un cadre de pensée patriarcale en y insérant des références à ces femmes du passé. Et cette utilisation là de telles figures mythologiques se retrouve également dans d'autres performances. Un seul exemple pour faire un lien, celui de Judy Chicago. Et Judy Chicago, elle va réaliser toute une série de performances sur des plages qui s'appelle la série Atmosphère, entre 68 et 74, où elle allume des feux lors de rituels sacrés avec ses étudiants du Feminist Art Program. Donc ça a un impact beaucoup plus large. Et toutes ces déesses et ces sorcières donc, vont remettre en cause les normes, ouvrir à d'autres manières d'expérimenter le monde. Ça, je pense que c'est vraiment le cœur de ce qui est fait dans les années 70. On tente d'expérimenter le monde autrement en allant puiser à d'autres sources. Et les années 70 voient aussi un grand nombre de chercheuses s'intéresser aux artistes du passé, à analyser tous les a priori de l'histoire de l'art et comment elle est construite pour pas intégrer les femmes, et proposent donc d'autres modèles de savoir par rapport à ces questions, comme le pouvaient le faire les figures nommées. Le second exemple, qui est un exemple du côté européen et du côté de la France, c'est en 1980, Neil Yalter, qui, avec Nicole Croiset, vont performer toute une série de rituels au musée d'art moderne de la ville de Paris. Elles vont, avec la mise en scène, dévoiler en fait les répercussions de certaines croyances dévalorisantes qui sont liées au rite de la chasse et de la naissance et les répercussions que ça peut avoir sur les comportements des hommes et des femmes. Elles vont utiliser le texte d'une anthropologue pour questionner ces croyances liées à la maternité dans les traditions ancestrales. Et tout ce dispositif mélange, en fait, c'est un dispositif complexe, donc il y a des performances enregistrées, des performances en direct et l'utilisation de toute une série d'objets qui proviennent des fonds du Musée de l'Homme. Et l'une des performances enregistrées qui est diffusée montre Neil Yalter en train de performer une danse rituelle chamanique avec un masque réel du fond du musée de l'homme, et elle lui redonne vie, et en même temps elle fait écho à l'origine de ce masque en performant une danse endiablée, comme une transe, sur une musique qui est une musique recueillie par des ethnologues sur site.
Et donc, cette tradition chamanique est une version non occidentale, en fait, de la sorcière. Et dans d'autres textes, on trouve aussi la dénomination de démon. Donc, voilà, c'est en fait le même champ qui se travaille, les mêmes types de références. Et cette transe, elle évoque également une danse beaucoup plus ancienne qui est celle d'une danseuse allemande qui s'appelle Mary Wigman, qui en 1914 a repris cette figure dans sa Hexentanz, qui est donc sa danse de la sorcière. C'est une danse expressionniste et on la voit comme possédée, elle agit avec des gestes très heurtés et c'est vraiment le premier solo qu'elle a conçu et réalisé, donc le premier solo de femme, réalisé par une femme. Et ce solo va être renouvelé au cours du temps, et notamment renouvelé par Latifa Labissi dans Phasme en 2001, et puis dans Écran somnambule en 2012. Et Latifa Labissi, elle va réinvestir cette danse au ralenti pour s'ouvrir à cet imaginaire, avec des liens à toute cette généalogie en fait, de danseuses créatives et de figures transgressives. Dans ces différents exemples de revues et puis d'exemples d'œuvres de créatrices, hein, on voit vraiment que l'histoire des femmes elle est remplie de tous ces montages de différentes temporalités qui viennent en fait, se coaliser pour, à un moment opportun, en fait, signifier quelque chose de ce changement de rapport au monde. Et donc les femmes, les féministes, vont s'emparer de figures symboliques fortes auxquelles il est possible de s'identifier pour justement aller lutter contre ces dominations. Et la sorcière, elle est vraiment un très bel exemple de ces figures auxquelles on peut s'identifier. Et elle est vraiment vue comme un exemple d'une pionnière de lutte féministe contre l'oppression des femmes. Myriam Milindou, vous êtes artiste, vous vous définissez comme sculptrice et vous avez vécu et voyagé dans de nombreux pays où vous faites des recherches sur des formes de guérison à la fois mentale et corporelle qui s'éloignent des conceptions occidentales et naturalistes qui peuvent exister. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous concevez ce que vous appelez des corps d'histoire et que vous essayez de lutter par votre art contre l'amnésie des corps? Déjà, ce que je peux dire, c'est que j'appartiens à une culture du masque. En fait, j'ai vécu au Gabon, je suis franco-gabonaise, et j'ai vécu au Gabon jusqu'à l'âge de 22 ans. Et jusqu'à l'âge de 22 ans, donc, je n'ai côtoyé que des cultures vivantes, en quelque sorte, et notamment la culture du masque. Ce masque que l'on voit si magnifique dans les musées, moi, je ne l'ai vu que danser. Et donc, c'est vrai que cette question du corps animé est sans doute centrale. Et je pense que quand ça touche à même des états historiques ou psychologiques, j'ai nécessairement besoin de le réanimer. Et je pense que le processus de cure commence par là. Ensuite, ce que je peux dire par rapport à cette série, c'est qu'elle est arrivée à un moment où j'étais dans un changement de lieu, de territoire, puisque je quittais Bordeaux en fait, pour m'installer sur l'île de La Réunion. Et c'est une île dont les corps ont été déportés. L'histoire est quand même relativement violente. Et lorsque je suis arrivée sur cette île, le fait de me retrouver dans un territoire où les gens me ressemblent déjà, ce qui est quand même très rare pour moi, puisque lorsque j'étais à Bordeaux, les gens me ressemblaient, mais pas forcément physiquement. Et là, tout d'un coup, il y a un miroir qui s'opère dans cette ressemblance, dans cette projection. Et je pense que j'ai incarné très rapidement ces corps. Et ces corps m'ont renvoyé en fait des blessures, des historicités aussi, qui m'ont amené à produire cette série Sculpture de chair, qui est en réalité une stratification de la question du corps, de la peau, de la mémoire, de l'histoire, du métissage, du post-colonial, du corps déporté, du corps assigné, du corps entravé. Et puis finalement de ce que j'appelle le Nkissi, qui est une petite figure en fait qui vise à celui qui l'a produit de se protéger. Et j'en ai fait un power object, donc quelque part une figure sculpturale qui tient sa propre mémoire, mais qui, parce qu'elle tient sa propre mémoire, justement, entre dans un processus de vision, de cure, et finalement crée sa propre protection. C'est pour ça que j'appelle ça l'objet de pouvoir,
parce qu'elle finit par protéger en fait ce qu'elle a. C'est un peu comme le principe du venin, c'est-à-dire que entrer dans la mémoire de l'histoire, c'est comme une forme de venin. Il faut donc trouver un antidote. Et je dirais que ces images, puisqu'il y en a une cinquantaine, ont à chaque fois produit un antidote pour pouvoir réparer, pour pouvoir soigner justement ce corps historique, ce corps intime, personnel. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ce processus s'est passé. Comment est-ce que vous articulez la notion de performance avec celle de rituel et comment s'entrelacent en fait des performances dans le champ de l'art avec des pratiques rituelles, performatives et qui ont vocation à être efficaces aussi? Je pense que c'est parti d'abord d'une nécessité. C'est-à-dire que j'ai commencé à réaliser des œuvres in situ au tout début, donc je pratiquais du land art. J'ai commencé par le land art, la photographie et la vidéo assez rapidement. Et j'étais sculpteur, donc j'étais forgeronne. Et forgeronne, en fait, quand on est forgeronne, c'est une confrérie. C'est une confrérie plutôt masculine. Et moi, ce qui m'intéressait aussi dans cette histoire de la forgeronne, c'était peut-être d'aller peut-être un peu profaner, je dirais, cette idée que la forge n'appartenait qu'aux femmes et la poterie aux hommes et la poterie aux femmes. Et quand j'ai commencé à forger, j'ai compris énormément de choses. Parce que la forge, c'est une discipline. Et au bout de 4 ans, on commence à comprendre pourquoi effectivement il s'agit d'une confrérie. Voilà. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je peux vous assurer que c'est une très très belle discipline. Pour ce qui est de la ritualisation par rapport à la performance, comme tout artiste, je suis sensible. Je ne supporte pas l'injustice, je ne supporte pas les impostures. Et donc il est arrivé qu'à un moment donné, par rapport à certaines situations sociales, politiques, peu importe, j'avais véritablement besoin de réagir par mon corps. J'avais besoin que mon corps puisse marquer ce temps-là, puisse peut-être à la fois l'affirmer ou le contrer. Je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait, mais j'avais besoin nécessairement, de manière comme ça, très spontanée, de réagir à des temps donnés, à des moments donnés. Donc j'ai commencé à le faire comme ça dans la rue, de façon, je dirais, vitale. Et puis petit à petit, j'ai canalisé cette énergie et je me suis dit, en fait, maintenant ce que je comprends, c'est qu'entre la ritualisation et la performance, il y a deux choses comme ça qui se ressemblent. Parce que ritualiser, c'est marquer un temps, c'est marquer un passage et c'est assurer ce passage. Voilà. Et c'est en même temps révéler ce temps en quelque sorte et c'est le porter dans son corps, mais c'est aussi nettoyer cet espace. C'est aussi cette dimension d'aller nettoyer un espace. Enfin, un espace dans lequel tu ne peux pas vivre et tu ne peux pas survivre à ce moment donné, à cet instant donné. Et donc, tu dois nécessairement ritualiser pour le nettoyer et assurer, je dirais, la bonne marche de ton groupe, en quelque sorte, parce que c'est toujours cette conscience du groupe, en quelque sorte. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire des performances, mais j'étais dans un état émotionnel tellement fort et tellement puissant à un moment donné que j'ai commencé à vivre des sensations dans mon corps qui allaient bien au-delà du corps. Et donc le corps prenait le relais en fait sur les intentions. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai affiné mon travail de performeuse, que j'ai été initiée, que j'avais besoin d'entrer dans des régions, dans des zones du corps, dans des régions de compréhension et de sensibilité différentes. Et c'est de cette façon que de manière palliative aussi j'ai affiné ma ritualisation et mes espaces de vision, en tout cas, au service de ma communauté. C'est des très belles réponses, je vous remercie. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger.
ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme moi.